Lyon. La triste histoire d'une grande chanteuse. Mesdames, messieurs, Alice Robbie chante Symphonie. Alice Robbie, née Alice Robitaille, est la première grande star du Québec. Dans l'esprit puritain des années 40, elle se démarque par son style flamboyant et ses allures de grande séductrice. Grâce à son talent, elle côtoie les grands de ce monde et chante sur les plus grandes scènes de Paris, New York, Mexico, Londres et Hollywood. En marge de sa carrière de diva, Alice Robbie doit cependant composer avec une dure réalité. Elle souffre d'une maladie mentale. À 28 ans, elle sombre dans la dépression. Un an plus tard, elle apprend une nouvelle terrifiante. Elle devra subir une lobotomie. Révolue aujourd'hui, la lobotomie est alors pratiquée parce que la médecine croit que l'ablation d'une partie du cerveau peut remédier à la dépression. Souvent, les lobotomies mènent à une vie végétative et parfois à la mort. Mais malgré son destin tragique, Alice Robbie va survivre là où d'autres ont laissé leur peau.